Bonjour tout le monde, c'est Xeleco, bienvenue pour cette série de 3 vidéos sur Heroes of the Storm et cette première vidéo portera sur les tier lists pour les joueurs débutants et les nouveaux joueurs de MOBA, joueurs novices d'Heroes of the Storm. Cette vidéo est faite pour vous, ce sera une tier list composée des meilleurs personnages qu'il faut sélectionner pour bien débuter et apprendre les mécaniques du jeu. La deuxième vidéo portera pour les joueurs confirmés, justement ceux qui jouent super bien au MOBA et qui ont déjà d'expérience et qui peut-être cherchent des teams ou autres. Là, dans ce cas-là, la tier list sera complètement différente. Alors il y aura une vidéo spéciale pour vous et une troisième vidéo pour bien débuter sur Heroes of the Storm avec des petites astuces auxquelles on ne pense pas forcément mais qui pourront sûrement vous aider dans les champs de bataille. En tout cas, puisque vous regardez cette vidéo, vous êtes sans doute débutant, et bien si ça vous intéresse, il y a dans la description de la vidéo un lien vers une autre de mes vidéos qui porte sur le lexique, le jargon qu'on utilise. Si vous n'avez jamais joué à un MOBA, les carries, les ganks, top bot lane, tout ça, etc. Il y a du jargon à apprendre, enfin c'est fait sous forme de vidéo et ça va vous permettre d'apprendre, mais à force de l'utiliser, vous allez voir, vous allez très très vite l'assimiler. Bref, on est parti pour cette première vidéo. Qu'est-ce qu'une tier list? Eh bien, une tier list, c'est une personne, n'importe qui peut faire sa tier list. Donc là, je vais vous proposer la mienne, qui va tout simplement classer les personnages du plus faible au plus fort, ou du plus fort au plus faible, comme c'est mon cas actuellement. J'ai fait deux tier list pour cette vidéo débutant. J'ai fait une tier list qu'on va faire ensemble maintenant, où je vais vous montrer. J'ai classé par rôle, c'est-à-dire classement pour les tanks, un classement pour les supports, etc., etc. Puis après, une tier list globale de tous les persos réunis. Donc on va commencer par les supports, et on va commencer par le plus mauvais support pour arriver jusqu'au meilleur support. Alors c'est parti, la palme du plus mauvais support est accordée à Tyrand, puisque je vais vous donner des petites explications à chaque fois, mais je vais essayer quand même d'aller assez vite pour pas que la vidéo dure une heure. Donc Tyrand, pas beaucoup de soins, il faut dire ce qui est. Elle est utilisée pour le scouting. Je rappelle que c'est une vidéo débutant solo queue hein, également. Donc les personnages avec qui vous allez jouer, vous ne les connaissez pas. Généralement, son rôle de tyrande, c'est d'essayer d'apporter tout le temps de la vision à son équipe en envoyant des chouettes à des endroits importants. Mais comme vous débutez, vous n'avez pas encore vraiment connaissance des mécaniques. Et ça, je me sers vraiment... parce que j'ai un pote, quand il a débuté, j'ai vu ce que ça donnait. Donc au moins, je sais ce que c'est quand vous débutez en termes de MOBA. Donc voilà, vous n'avez pas forcément des mécaniques gravées, vous regardez pas forcément votre carte. Justement, avoir un personnage où son point fort, c'est de donner la vision sur la carte, sachant que vos coéquipiers qui débuteront aussi ne la regardent pas. Voilà, on perd de l'intérêt. Donc Tyrande, palme d'or du personnage le plus nul. Après, juste en dessous, nous avons Brightwing, donc Luizel en français, faut que je m'habitue à dire Luizel. Donc Luizel, pourquoi? Eh bien, son but, c'est de se téléporter. Il a un petit marquage, il n'a pas de monture, mais il peut se téléporter sur ses alliés pour aller les soigner. Du coup, sur des teamfights, c'est assez intéressant. Brightwing est très très fort en équipe et au niveau, il est plutôt utilisé. Seulement, quand vous jouez en solo à bas niveau, vos coéquipiers ne vont pas forcément comprendre, ils ne vont pas analyser que vous êtes en train de vous téléporter sur eux et qu'ils devraient rester combattre. Eux, ils vont fuir, ils vont avoir peur. Normal, ils débutent, ils veulent pas mourir, c'est comme truc classique, on vous dit faut pas mourir, les gens ne veulent pas mourir. Et du coup, stratégiquement, Brightwing perd de sa superbe. Et du coup, malheureusement, en solo, quand vous débutez, c'est vraiment pas un bon choix. Parce que sa seule utilité, hormis les heals passifs, c'est également un gros point fort, c'est de transformer une cible en cochon qui prend 25% de dégâts en plus. Seulement, si vous n'êtes pas en vocal, si vous n'arrivez pas à vous organiser votre équipe, eh bien, c'est un petit peu un sort qui sert à rien, même si c'est quand même un contrôle tout à fait honorable. Juste au-dessus, j'ai mis Lily. Alors, j'hésitais, Brightwing Lily, enfin, Luizel Lily. Seulement, Lily est beaucoup plus simple à jouer, puisque tous ses heals sont auto-guidés. Il n'y a pas vraiment... voilà, il n'y a pas de skill shoot à faire, etc., comme Brightwing, où il faut viser avec son petit... cette petite boule de lumière qui balance. Donc Lily, c'est pas un perso très puissant non plus, mais c'est relativement très simple à jouer, donc je la place devant Luizel. Vous ne serez pas forcément le plus utile à votre équipe, mais vous pourrez apporter quelques soins également. Vous pourrez, c'est pas vous qui allez les contrôler, mais justement pour débuter, pour jouer assez facilement un personnage, Lily c'est quand même un bon choix. Juste au-dessus de Lily, un petit peu plus performant et même beaucoup plus performant, nous avons Rhaegar. Pardon, je vous montre le modèle de base pour que vous le compariez. Donc Rhaegar, gros heal, vraiment pour jouer support, il est là, il est intéressant. Attention, c'est vraiment du support, vous allez faire peu de dégâts. Donc comptez pas là-dessus pour faire énormément de dégâts avec Rhaegar. Ça va être vraiment du support, du heal. Et un des meilleurs heals en ultime du jeu, qui est un heal direct et un très bon contre si un de vos alliés est en train de se faire tuer. Juste au-dessus de Rhaegar, j'ai placé donc
le petit ou Malfurion. Malfurion est bien évidemment, forcément, c'est du heal en hot, hein, ce qu'on appelle dans le jargon, heal over time, donc c'est un heal sur le temps. C'est pas du heal direct, néanmoins, son ultime permet de soigner assez rapidement en zone, en étant mobile, donc ça c'est plutôt un bon point fort. Malfurion est capable de faire des dégâts, il attaque à distance, son attaque, il a un sort à distance, il a des soins et il a surtout une très grande utilité avec une immobilisation de zone. Alors attention, c'est là-dessus qu'il faudra bosser parce que l'immobilisation met un petit temps à s'étendre. Il faudra attraper les joueurs dès le premier coup. Vous verrez tout de suite entre un mauvais Malfurion et un bon Malfurion. Mais si vous voulez un personnage par excellence pour débuter support, je vous le conseille vraiment, vraiment de tout cœur. Et le roi des supports, autre support que je vous conseille forcément, Uther. Mais attention, c'est un support de corps à corps. Donc attention, Malfurion UTR, c'est partagé. Si vous voulez corps à corps, prenez UTR. Si vous voulez en distance, prenez Malfurion. Ce sont pour moi les deux meilleurs supports. Il y a également Tassadar. J'ai hésité à mettre justement entre UTR et Malfurion. Mais ça soigne pas. Ça met des boucliers. Et c'est surtout, il fait extrêmement beaucoup de dégâts pour un support. Finalement, c'est pas un support. J'ai hésité de les mettre dans les assassins à distance. Alors pas assassin, je te burst et je me tire. Non mais il fait des dégâts constants, il a vraiment un gros DPS, Tassadar, selon certains builds. C'est vrai qu'il peut apporter un petit côté support, donc j'ai hésité. Mais Tassadar reste viable et il est très puissant parce que c'est un bon perso qui fait des dégâts et qui a une possibilité de support. C'est pas le meilleur support, c'est pour ça que je le mets pas en premier, c'est pas le meilleur support du jeu, mais il a la possibilité de support et surtout il fait beaucoup de dégâts, donc... Voilà, il est un petit peu sur deux tableaux. Donc Uther, voilà, soin, stun, ultime qui stun en AOE, hein, que dire de plus, du contrôle, etc. Si en plus vous avez une team avec des tanks et autres, ça rentre tout à fait. Donc voilà, pour débuter, je rappelle, donc Uther, Malfurion, également Tassadar. Après Rhaegar, Lily, Brightwing et Tyrande dans tout dernier, malheureusement. On va passer maintenant aux tanks. Et donc les tanks, on va commencer avec le plus mauvais tank. Le plus mauvais tank, c'est forcément Diablo. D'ailleurs, j'ai toujours niveau 1. Que dire? Il tank ça pour tanker, il tank. Il a beaucoup de points de vie. Son passif lui l'aide à avoir plus de points de vie, justement. Il peut repousser les cibles, les stuns contre un mur. C'est utile, il peut passer quelqu'un par-dessus son épaule. Mais en team, surtout quand vous débutez, combien de Diablo vont pousser les cibles et donc les leur sauver la vie? Combien de Diablo vont attraper quelqu'un, le faire passer par-dessus son épaule alors que vous étiez en train de lui tirer dessus et que du coup ils vont gâcher votre contrôle, votre stun ou je ne sais quoi d'autre, capacité de zone? Alors voilà, Diablo, quand c'est pas en team, ça fait chier et en plus, il fait pas de dégâts. Donc c'est vraiment un mauvais tank, il va falloir qu'il subisse un petit up malheureusement. Juste après Diablo, c'est ETC, alors ça va peut-être en étonner certains, mais ETC est un bon tank dans des teams situationnels. Alors, sachant que, je le répète encore, c'est du débutant solo queue, vous ne savez pas très bien jouer, les gens avec vous ne savent pas très bien jouer, donc leur demander de s'organiser sur l'excellent ultime de Pogo d'ETC, je vous rappelle que c'est un ultime où il fait danser les adversaires pendant... 4 secondes, je crois, c'est juste énorme, ou 3 secondes, je sais plus exactement, 4 secondes, voilà. C'est comme s'il les étourdit pendant 4 secondes, ils ne peuvent rien faire. Seulement, tous vos coéquipiers doivent balancer la sauce durant ces 4 secondes et vous protéger également. ETC, c'est un petit peu le problème. C'est tous les persos qui demandent de l'organisation, une préparation et une équipe, eh bien, ce sera tous les personnages qui vont être forcément un petit peu plus faibles quand vous jouerez en solo et surtout quand vous débutez, vous ne connaissez pas vraiment le jeu, vous ne savez pas ce que votre coéquipier va faire. Voilà, le temps d'apprendre les personnages, etc. ETC, ce n'est pas un bon choix. Alors, après cela, il y a Anubarak. Anubarak, c'est un bon... C'est pas le meilleur tank pour encaisser. Il est capable d'infliger un peu de dégâts, surtout des dégâts de zone. C'est surtout qu'il va impacter certains teamfights. Depuis qu'il a perdu le retour rapide, malheureusement, ça a été un gros nerf pour lui. Il pouvait enchaîner ses petits stuns à coups. Petit stun, mais justement, en les enchaînant, ça pouvait bien contrôler les cibles. Cela dit, il a quand même un escape qui permet de passer sous les murs. Donc, c'est un tank qui a un petit peu plus de survivabilité si vous cherchez quand même à vous protéger et à survivre si le teamfight se passe mal. Donc, bon, c'est prioritaire à un Diablo qui, lui, ne pourra jamais s'enfuir, quasiment. Après, au-dessus de ça, alors là, je vais en étonner certains, j'ai mis Balafré. Alors, Balafré est en quatrième position pour la simple et bonne raison, c'est que encore une fois, vous êtes un joueur débutant. Et croyez-moi, pour ceux qui suivent mes lives, etc., Balafré, tout va se passer
l'initiation du combat va se passer au fait qu'il a un grappin exceptionnel. Seulement, combien de fois il y a des balafrés, donc des stitches en anglais, qui ratent leur grappin? Un stitches qui met 10% de ses grappins, c'est foutu, vous avez perdu la game. En contrepartie, c'est quand même un tank qui fait pas mal de dégâts, des petits dégâts, mais cumulé sur un teamfight, il fait pas mal de dégâts, même énormément de dégâts. C'est le tank le plus fort pour moi dans le jeu, surtout en équipe. Seulement, il se joue que quand vous savez bien le jeu. Vous n'avez pas le droit de louper des hooks. Vous devez au moins avoir 80%, 90% de réussite quand vous grappez quelqu'un. C'est un petit peu obligatoire parce que tout dépend de ça. Donc malheureusement, quand vous débutez, ça sera un petit peu plus dur. Donc je l'ai mis en quatrième position. Troisième position, eh bien j'ai mis Shen. Parce que Shen, il peut boire, il a du bouclier, il a un mini dash, il a un petit cône pour enlever les furtifs, il a un ralentissement de zone qu'il peut mettre sur le groupe, et puis il est capable de tanker suffisamment. Il tanque même plutôt bien, et avec son ultime où il se sépare en 3, il a une grosse survivabilité. J'ai hésité à le mettre en deuxième, mais en même temps ça se tire la bourre. De toute façon, c'est assez compliqué. Donc Shen, gros tank pour moi. Attention, ça demande une toute petite maîtrise, mais c'est pas si dur que ça à jouer. Il faut bien lire les sorts, il faut bien les apprendre. Vous allez commencer à galérer au départ, et puis finalement, une fois que vous aurez atteint le niveau 4, ça vous semblera logique. N'hésitez pas à regarder mes vidéos de build sur Shen, hein, notamment le build de Maître Chieur. Vous verrez, Maître Chieur avec Shen, c'est easy, ça passe tout seul. En deuxième tank, j'ai mis Muradin. Alors Muradin, je l'aurais pas mis en temps normal deuxième. Seulement, bah, c'est un tank qui a tout, hein. Il a les points de vie. Il a une attaque qui balance un stun, c'est cool. Il a une attaque qui ralentit et frappe les ennemis proches en zone. Il a un petit saut pour sauter par-dessus les murs, etc. Il lui manque rien. Il a de la régénération passive abusée une fois qu'il sort du combat. Il a tout ce qu'il faut, ce Muradin. Malheureusement, il manque peut-être un petit peu de dégâts et encore un petit peu de contrôle. Néanmoins, ça reste un super tank. Pour apprendre à jouer, c'est peut-être le tank pour apprendre à jouer dans l'absolu. Il a tout ce qu'il faut, ouais. Il a tout le panel du perso tanky, et si vous voulez apprendre Muradin, c'est vraiment pour ça que je l'ai mis en deuxième position. Et en première position, eh bien Arthas, qui n'est pas très compliqué à jouer, il fait des dégâts en AOE, il peut immobiliser ses adversaires, il a de la grosse régén de points de vie, notamment via un sort qu'il peut lancer sur lui-même pour regagner des points de vie. Il a un talent qui fait que toutes les 4 frappes, il récupère, je crois, 4% de sa vie. Il a plutôt un ultime où il fait pop des petites goules qu'il sacrifie pour récupérer de la vie. Donc beaucoup de self-heal, beaucoup de heal personnel. Il tient vraiment longtemps dans les fights, il peut immobiliser, les dégâts de froid c'est assez redoutable. Et il fait pas mal de dégâts parce que c'est un tank qui a accès à empoisonner également. Donc ça fait relativement beaucoup de dégâts. Donc voilà pour le classement. Donc je rappelle du plus faible au plus fort. Tout à l'heure j'ai fait l'inverse. Donc plus faible, Diablo, suivi de TC à nos baraques. Balafré, Shen, Muradin et Arthas. Alors bien sûr, il y aura un récapitulatif écrit, hein, juste après, à la fin de cet épisode. Comme ça, vous aurez plus rapidement le récapitulatif. Il vous suffira de revenir voir la vidéo, vous mettez vers la fin et vous aurez le récapitulatif. Donc voilà, on va passer maintenant au guerrier corps à corps. Et là, vous allez voir qu'il y en a qui sont encore un petit peu sujets à débat. Donc guerrier corps à corps le plus nul, eh bien c'est Sonya, malgré le petit up et le tour Bilol clairement abusé qui donne une régène de vie de fou. Eh bien c'est un petit peu difficile. Sur un focus, elle meurt parce qu'elle ne tanque pas vraiment. Infliger des dégâts, c'est assez compliqué, ça en inflige. C'est bon pour faire les camps de mercenaires finalement, mais dans son rôle là, ça dépend des teams. Et en solo, et eh bien évidemment en solo, quand vous débutez, elle a un tout petit grappin, c'est trois fois moins de portée que Balafré, c'est compliqué. Et vous risquez souvent de vous faire prendre à partie et vous faire défoncer. Voilà, donc pour Sonya, juste après nous avons Kerrigan. Kerrigan qui est un petit peu meilleure, elle a un petit bond, un stun, un grappin de zone. Elle a un petit peu tout ce qu'il faut, parfois un petit peu de fragilité aussi. Donc seulement c'est un personnage qui nécessite plus d'agilité au niveau des doigts. Donc il va falloir vraiment, si vous voulez ce personnage, vous entraînez avec, parce que ça paraît simple, Kerrigan, elle a tout ce qu'il faut, mais c'est assez technique, même très technique à jouer. Donc attention à ça, c'est pas les personnages pour débutants. Juste au-dessus, j'ai mis Illidan. Illidan, c'est pareil, c'est très technique à jouer. Seulement, il y a du vol de vie, il y a moyen, parce qu'il faut comprendre que si vous êtes débutant, vous allez tomber également sur des joueurs débutants.
si vous commencez à maîtriser Illidan, il y a moyen que ces joueurs débutants vous les découpiez littéralement. Si vous avez bien appris votre personnage, vous pouvez les faire chier, les arras sous la tour, les taper et repartir sans avoir perdu un point de vie. C'est totalement faisable. Donc attention, Illidan c'est technique, ça peut faire le café aussi, et c'est un bon contre à certains personnages. Après nous avons donc Tyrael, Tyrael que j'ai hésité à mettre en mode tank. Ah, il est où Tyrael? Il est par là. Voilà, Tyrael que j'ai hésité à mettre en mode tank, seulement il a pas masse de PV, quoi. Il a pas autant de PV que Arthas, Balafré, Shen ou Muradin, clairement pas. Il a pas les points de vie d'un assassin non plus, il est un petit peu entre les deux. Si vous voulez, il est capable d'infliger des dégâts. Il a du contrôle, son ultime est génial, ça permet de dasher sur une cible à longue distance et de la stun, de lui remettre des dégâts, etc. Il a un escape avec son épée. Donc si vous voulez apprendre un guerrier par défaut qui est utile pour sa team avec du contrôle, de l'escape, du bouclier, c'est le perso absolu, c'est le meilleur des guerriers pour apprendre à faire ça. Sinon, le top guerrier, eh bien, c'est Zeratul grâce à son invisibilité permanente. Bah, sauf quand il attaque, bien entendu. Donc Zeratul, voilà, lui blink. Donc un petit téléport, c'est encore même mieux que celui-là de Tyrael. Par contre, attention, beaucoup plus fragile, mais une prison du vide en ultime qui le rend tellement important lors des teamfights. Si vous voulez tuer des proies, eh bien c'est le personnage. C'est une autre fonction que Tyrael. Mais Tyrael et Zeratul sont vraiment le top dans leur façon de faire. Donc je rappelle, guerrier corps à corps le plus nul, Sonia, suivi de Kerrigan, suivi de Illidan, suivi de Tyrael et Zeratul, qui se démarquent quand même, principalement. On va passer quatrième série avec les spécialistes maintenant. Les spécialistes, alors là c'est un petit peu plus compliqué, parce que c'est vraiment, si vous connaissez les autres MOBA, les spécialistes sont un petit peu les personnages qui sont spécialisés dans le push, justement. Pusher, détruire les tours, etc. Dans Heroes of Storm, c'est possible, jouer les objectifs, jouer les camps de mercenaires. Alors pour ça, si vous connaissez pas, bien, je vous laisserai regarder mes vidéos tuto. Néanmoins, si vous voulez des explications, je rappelle encore une fois, regardez ma vidéo tuto débutant et lexique, que je mettrai en lien dans la description. Elle dure 40 minutes, mais au moins, vous la regardez en entière, vous savez tout, quoi. Vous avez perdu 40 minutes, mais au moins, vous n'avez plus de questions après, parce que vous aurez quasiment toutes les réponses. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, en plus nul spécialiste, j'ai mis Gazleux. Gazleux, pourquoi? Ça fait les camps de mercenaires. Ouais. Ça fait les camps de mercenaires, ça les fait plutôt bien d'ailleurs. En combat, c'est beaucoup plus compliqué. Les stuns, c'est marrant, mais c'est rare. Faut être organisé, faut plutôt faire des wobo combos avec un Uther qui va stun, vous arrivez, bam, stun, ultime, etc. C'est compliqué. Donc c'est un personnage qui demande de la dextérité, de jouer en équipe. Et ben, en solo, c'est pas forcément ce que vous avez. Donc Gazleux, ça fait les camps de mercenaires. Malheureusement, si l'équipe adverse commence à prendre le dessus et à faire les camps de mercenaires qui sont dans votre moitié de la carte, vous avez un personnage qui devient complètement inutile. Parce que vous avez un personnage spé dans les mercenaires, si vous n'avez pas de mercenaires à tuer, vous êtes nul à chier en combat. Et dans ce cas-là, Gazleux devient un personnage, ça devient un poids lourd limite. Donc c'est assez dangereux, notamment son ultime qui push, bah, il est tellement redoutable, mais encore une fois, Gazleux c'est pas le bon choix. Pour apprendre, par contre, les mécaniques de gameplay, si vous voulez le jouer parce qu'il est gratuit, testez-le, vous allez comprendre ce que c'est de faire des camps de mercenaires et de les faire totalement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Juste après, nous avons Bourbi. Alors Bourbi, c'est un petit peu le perso troll, il n'a pas de points de vie, etc. Quand vous allez jouer contre des débutants, ils vont pas forcément comprendre, ils vont vous chercher à tuer, ils comprennent pas pourquoi le perso il revit toutes les 5 secondes quand il a son œuf. C'est un peu le perso troll, mais soyons sérieux, c'est un perso très technique. Alors, notamment, vous l'avez vu jouer dans le live, il y a du potentiel de fou sur ce personnage, mais attention, c'est très technique, ça demande une équipe qui soit là, il faut certaines dispositions, et puis malheureusement, c'est encore quand même assez léger comme personnage, donc attention, en termes de spécialiste, c'est pas top, top, top. Juste au-dessus, ça va en étonner certains, j'ai mis Asmodan. Asmodan a beaucoup de points de vie, attendez, je vais remettre le modèle de base. Donc Asmodan, beaucoup de points de vie, portée limitée pour counter push certain lane qui est assez intéressante, moins utile en teamfight. Alors il a une spé teamfight, mais généralement on le prend parce qu'il a une capacité à solo les golems. Il peut solo les golems qui sont intéressants sur certaines maps, notamment Gazleux peut le faire également, mais c'est plus compliqué pour Gazleux, il nécessite de la mise en place. Asmodan, tu claques l'ultime, t'arrives et hop, c'est bon, ni vu ni connu, et je repars avec. Attention, il reste lent, c'est un gros balourd. En teamfight, ça meurt très facilement si vous faites ganker.
Néanmoins, je préfère un petit peu, je trouve un petit peu plus supérieur au niveau de ses possibilités et notamment de cette portée limitée qui permet de counter-push la lane top quand vous êtes en lane bot et ça n'a pas de prix. Juste au-dessus d'Asmodan, nous avons le magnifique Abattur. Alors Abattur, je sais, c'est compliqué à jouer, vraiment compliqué à jouer. Néanmoins, vous pouvez apporter quand même pas mal de support, pas mal d'intérêt et dès le niveau 16, vous montrer redoutable. Regardez des vidéos que j'ai fait sur Abattur, sur comment le jouer, etc., comment le build. C'est pas le personnage pour débuter, je sais. J'ai quand même voulu le mettre là parce qu'il est relativement puissant. Ça fait partie peut-être pour moi du top 3 des spécialistes, hein, complètement. Donc je vous le conseillerais pas pour commencer le jeu. Mais cela dit, si après vous cherchez un autre spécialiste pour mieux commencer à faire des petits trucs sympas, Abattur, c'est quand même le must. Au-dessus de ça, il y a bien meilleur, il y a... Où es-tu ? Il y a Nazibo. Alors Nazibo, on va remettre le modèle de base. Donc Nazibo, ultime de ouf, possibilité de build pour faire énormément de dégâts grâce aux grenouilles, aux araignées, aux zombies. Il y a possibilité de différents builds, ultime de ouf à chaque fois, que ce soit le Gargantua pour push en illimité, même si on préfère l'autre pour les teamfights. C'est un spécialiste qui peut teamfight, qui est capable de sortir d'énormes dégâts, notamment si ça dépend comment vous le build aussi. Hein, mais c'est un spécialiste qui peut faire les camps de mercenaires, qui peut faire des dégâts monstrueux grâce à un ultime en teamfight, qui peut avoir un mur de zombies qui emprisonne les ennemis à l'intérieur et du coup faire des combos. Attention, il faudra bien placer les murs, c'est assez compliqué, mais je sais que vous êtes débutant, il faudra s'entraîner comme tout, hein, pour les premières parties ça sera compliqué. Mais voilà, Nazibo c'est un spécialiste, mais qui peut apporter de la polyvalence quand même dans une équipe. Et le top du top en spécialiste, il en reste qu'une, c'est Zagara. Voilà, Zagara c'est pareil, c'est la polyvalence, ça permet de faire les camps de mercenaires, mais encore mieux que Nazibo sans perdre moins de points de vie. Ça permet de faire des dégâts monstrueux avec son double Z. Au bout d'un moment, c'est juste infâme pour les adversaires, les dégâts que vous faites. Attention, vous n'avez pas d'escape comme Nazibo. En plus, vous avez un pouvoir de push, j'ai l'impression qu'il est encore un petit peu plus puissant que Nazibo. Donc, voilà, top du spécialiste. Si vous voulez apprendre un spécialiste, Zagara, c'est quand même pas mal parce qu'elle a un bon panel de polyvalence. Que ce soit pour les combats, elle a une attaque à distance, des attaques qui font énormément de dégâts, du positionnement, la gueule vorace aussi qui permet de sauver un teamfight, de faire du contrôle. Donc franchement, il y a tout. Contrairement à Nazibo qui n'a pas le contrôle, la gueule vorace, ça permet d'annuler un ultime de quelqu'un d'autre, d'annuler un ultime d'un ETC, d'annuler un ultime de Nova qui est en train de charger son R. Voilà, donc spécialiste, je répète, le plus nul, Gazleu, suivi de Bourbi, Asmodan, Abattur, Nazibo et Zagara pour finir le top du top. Et la dernière classe qui vous intéresse peut-être, nous allons passer sur les assassins à distance. Donc là, alors là ça a été très compliqué parce que franchement, limite vous pouvez les mettre un petit peu dans n'importe quel ordre et les prendre selon vos préférences parce que quand vous débutez, ils sont tous très bons. Donc on va commencer par le plus nul, qui n'est pas forcément le plus nul, mais qui est assez compliqué à jouer. Donc j'ai mis Falstad. Falstad, très peu de vie. Ça nécessite des skill shoots, ça nécessite des placements, des ultimes. Donc très gros placement. Il a qu'un seul dash qui est très court, donc niveau survivabilité, c'est assez compliqué. Il n'a pas de monture pour se déplacer. Il a un vol qui va aller très très vite d'une lane à l'autre. Malheureusement, voilà, vous n'êtes pas en équipe, vous êtes en solo. Donc niveau communication, c'est zéro. Personne ne regarde sa map, personne ne va comprendre que vous arriviez ou quoi. Donc malheureusement, Falstad était excellent, l'un des meilleurs carry du jeu, mais pour débuter, c'est pas le top. Donc, au-dessus de ça, il y a Tassadar, par exemple, hein, tout à l'heure, j'y pensais, jouer un support également de dégâts à distance, et bien voilà, si vous voulez Tassadar, vous pouvez prendre Tassadar. Donc après, nous avons Jaina. Alors Jaina, bon, après, ça s'inverse, hein, là, tout ce que je vais dire, les trois prochains, vous pouvez les mélanger, c'est à n'importe quelle place. Donc Jaina, par exemple, allez, il s'agit de Jaina, de... où est-il ? Raynor et Sergent Hammer. Ces trois-là, vous pouvez mélanger leurs positions, c'est pas vraiment dérangeant. Ils sont au coude à coude. De Jaina, gros potentiel de dégâts en zone, du ralentissement, de la distance de la portée. Attention, pas d'escape. Pas d'escape, c'est assez compliqué, notamment le niveau 16 va vous permettre de récupérer un bouclier qui va vous mettre des bursts monstrueux, des dégâts infâmes sur des ennemis. Donc c'est quand même un intérêt. Néanmoins, vous pouvez vous amuser pour débuter. Les ralentissements, ça fait chier tous les joueurs. Donc, Jaina est plutôt correct là-dessus. Raynor,
Bah, attaque de base monstrueuse, possibilité de self-heal automatique en plus pour vous sauver la vie quand vous êtes trop bas en vie, une capacité à repousser les adversaires, les rebelles de Raynor pour faire énormément de dégâts sur les cibles joueurs, ou alors l'Hyperion pour faire énormément de dégâts sur les structures. Pour apprendre à jouer, Raynor, c'est pas pour rien qu'ils vous mettent le tutoriel avec lui, il a le panel de tout ce qu'il faut. C'est pas forcément le meilleur, mais pour apprendre à jouer au niveau des basiques, c'est quand même vraiment un must-have. Au-dessus de Raynor, nous avons donc Sergent Hammer. Sergent Hammer, meilleure portée du jeu, très grosse attaque, vous pouvez jouer de différentes manières. Attention, vous êtes la plupart du temps immobilisé sur place, comme vous êtes en mode siège, sauf si vous prenez les talents pour vous déplacer. Mais faire gaffe quand même, bonne survivabilité, pas de monture, et donc vous avez une accélération à utiliser avec tous les X secondes. Néanmoins, ça peut surprendre les gens qui ne comprennent pas trop, vous pouvez faire du push dégueulasse sur les tours. Donc Sergent Marteau, voilà, il a sa place ici. Au-dessus, nous avons Ticus. Alors Ticus, c'est beaucoup plus technique à jouer que ça n'y paraît, mais ça fait des dégâts monstrueux. Actuellement, c'est le top un petit peu avec Vala, moi je dirais, parce que Vala, c'est mon perso du cœur. Ticus et Vala, ce sont les meilleurs pour DPS seulement. Ticus, c'est beaucoup plus technique à jouer, donc il est seulement en cette troisième position. Mais néanmoins, dégâts en AOE, grenades en AOE, beaucoup de dégâts sur les structures. Ce personnage, il fait tout, il le fait bien. Et attention, c'est compliqué à jouer, plus compliqué que ça n'y paraît. Deuxième position, eh bien, je l'accorde à Vala. Vala, voilà, c'est un petit peu également l'assassin parfait. Il a tout, il a une petite attaque à distance, il a un cône à distance. Ce cône peut ralentir les ennemis, donc ça ralentit plus d'ennemis. Vous pouvez jouer de plein de builds différents, le build flèche vorace, le build régène de vie, le build flèche multiple ralentissante. Voilà, il y a beaucoup beaucoup de styles, les deux ultimes sont viables. Donc c'est le personnage que je conseillerais. Elle a une esquive pour vous échapper de certains trucs. Voilà, elle a une capacité d'avoir une double esquive quand même au bout d'un moment, je crois que c'est le talent niveau 13. Donc vous avez très peu de chances de mourir. Et au niveau du positionnement, c'est beaucoup plus facile de vous positionner avec une Vala que de vous positionner avec un Falstad par exemple. Donc ça, c'est intéressant, je la mets en deuxième. Et le top, forcément, Nova, invisibilité permanente. En blonde, c'est mieux. Invisibilité permanente aussi, sauf quand elle attaque, bien sûr. Des dégâts monstrueux à la sortie de son invisibilité. Ça va être, avec Zeratul, ça va être les persos qui vont vous faire criser. Hein, je dis bien. Ce sont les personnages qui vont vous faire criser. Et là, je vais passer sur. Hop, voilà, le récapitulatif. Donc, ce sont les personnages qui vont vous faire criser parce que vous n'allez pas les voir. C'est normal, vous débutez. Les invisibles dans Heroes of the Storm ne sont pas invisibles. Quand ils se déplacent, il y a un flou. Même quand ils restent sur place, en fait, il y a un flou. Et avec l'expérience, vous allez apprendre à les voir. Vous allez peut-être déjà. Alors, si vous voulez pas être traumatisé, prenez des persos. Et c'est là que ma deuxième tier list rentre en compte. Mais attention, ça va vous traumatiser. Ne quittez pas Heroes of the Storm en disant ouais, c'est complètement craqué, Nova, Zeratul, les personnages ne sont pas du tout équilibrés, etc. Ils sont invisibles, ils sont là pour tuer, c'est des assassins, ils le font bien. Et quand vous êtes débutant, ça va vous traumatiser. Seulement en équipe, le jeu est fait pour être équilibré en équipe, en e-sport. Ce ne sont pas des personnages exceptionnels, parce que quand vous êtes bon, quand vous êtes meilleur, vous êtes habitué à voir le personnage, sauf Zeratul qui est assez compliqué parce qu'il vient de derrière les murs. Mais Nova, on est habitué à savoir où elle se positionne, on lui saute dessus, elle n'a pas de vie, elle meurt direct. Donc c'est pas si dérangeant que ça quand vous jouez en équipe, avec de la communication, etc. Mais vous, ça ne sera pas votre cas, donc attention à Nova. Donc voilà le récapitulatif support. Alors de gauche à droite, hein, du meilleur au moins bon, Uther, Tassadar, Malfurion, Rhaegar, Lili, Luizel et Tyrande le moins bon, Tank, Arthas, Muradin, Shen, Balafre, Anubarak, ETC, Diablo le moins bon, Guerrier corps à corps, Zeratul, Tyrael, Illidan, Kerrigan, Sonya la moins bonne, Spécialiste, Zagara, Nazibo, Abatur, Asmodan, Bourbi, Gazle le moins bon, et Assassin à distance, Nova, Valaticus, Sergent Mator, Raynor, Jaynor, Jaina, Falstad et Tassadar aussi qui peut être classé là-dedans parce que ça fait d'énormes dégâts à distance. Pas assassin pour tuer, mais le potentiel de dégâts, hein, clairement, il en a. On va passer sur l'autre tier list. Maintenant, on va mélanger tous ces personnages ensemble et on va faire un tier 1, tier 2, tier 3 pour vous dire quel personnage est le meilleur. Parce que par exemple, si on prend l'exemple de Zagara, c'est pour moi, pour débuter, la meilleure des spécialistes, mais ça ne veut pas dire que c'est l'un des meilleurs personnages du jeu, parce qu'elle est assez compliquée, elle n'a pas d'escape, etc. Donc on va switch ici, et là, vous avez directement, boum, tout d'un coup, le God Tier. Alors le God Tier, c'est tout ce qu'il y a au-dessus, hein. J'avais envie, la petite
petite anecdote comme ça, le God tier. Donc en tiers, c'est réparti, on classe comme ça. Le God tier, donc Nova Zeratul, je vous ai expliqué à l'instant pourquoi, invisible, beaucoup de dégâts, ça va vous faire traumatiser, vous allez rager. Mais c'est pour ça que dans le God tier, il y a également Tassadar. Tassadar, c'est le personnage qui fait beaucoup de dégâts à distance, qui a une portée de fou, plus de portée que Nova, donc ça permet de voir à distance. C'est surtout que son passif actif permet de défufu les fufus. Et ça, c'est intéressant. Vous l'activez, vous appuyez sur D, vous voyez, hop, tout autour de vous, y compris dans les buissons. Ça a 30 secondes de cooldown, mais il a un talent pour réduire à ça à 15 secondes. Donc toutes les 15 secondes, vous appuyez sur D, et je crois que c'est pendant 5 ou 6 secondes, vous allez voir tous les alentours autour de vous, vous allez voir tous les buissons. Si Nova est invisible dans un buisson, vous allez la voir, vous pouvez déjà l'attaquer à distance parce que vous avez plus de portée. Donc voilà, vous n'avez pas le droit, pas de mot d'excuse. Tassadar, c'est un peu le counter justement de Nova et de Zeratul. En tier 1, eh bien, j'ai mis pas mal de tanks, hein, puisque, évidemment, si vous allez avoir beaucoup de Nova et de Zeratul dans toutes vos parties, forcément, il y a des persos qui les contrent plus ou moins bien. Donc, forcément, on met les persos qui contrent le mieux dans les tiers. Donc, tier 1, chaîne, comme je l'ai dit, si Nova l'attaque, il a beaucoup de points de vie, il va encaisser le burst, bah, sauf s'il est sur sa mort, mais s'il est full vie, si Nova l'attaque, il s'en fout. Vous pouvez lui sauter directement dessus, vous lui mettez un ralentissement, vous lui crachez du feu, ce qui va lui mettre un dot. Vous rebuvez, ce qui génère un bouclier, elle ne pourra pas vous attaquer. Vous lui ressautez dessus à l'infini, jamais une Nova ne pourra s'échapper d'un chêne. Muradin, c'est pareil, si Nova vous attaque, vous lui sautez dessus, vous lui mettez un ralentissement, un stun, et vous commencez à l'attaquer, à l'attaquer, à l'attaquer, à l'attaquer. Attention, vous n'avez pas un combo infini comme chêne peut en avoir, donc, mais... pour contrecarrer une Nova, c'est quand même assez puissant. Et vous pouvez couper les stuns de Nova, sauf si elle utilise la Nuclear Strike, bien sûr. Arthas, hein, beaucoup de points de vie, beaucoup de régène. Même si Nova vous tape, vous régénérez. C'est pas dégueulasse. Uther, hein, les stuns et toujours les stuns. Donc on comprend que ça annule tous les autres personnages qui n'ont pas beaucoup de points de vie. Tychus, parce que justement, il prend la première position devant Vala, pour la simple et bonne raison, c'est que Vala, c'est un assassin qui n'a pas beaucoup de vie. Si Nova vous tire, vous met un combo et vous enlève, sans mentir, soit peut vous tuer, hein, complètement, ou vous enlever genre 90% de votre vie sans que vous l'avez vu apparaître, et bien Tychus, il a un save bouton. Si vous perdez 90% de votre vie, vous appuyez sur R, vous enclenchez l'Odin, et ça vous donne une seconde barre de vie, ce qui le classe, voilà, un petit peu dans ce tier 1 en termes de choix, pour rivaliser avec les God tier. Balafré est toujours là, hein, présent bien sûr, et il est là également parce qu'il a un grappin de fou, donc si Nova apparaît, c'est le seul qui peut attraper Nova. Si la Nova joue bien, attention aux clones, de ne pas choper les clones, sinon vous aurez utilisé votre cooldown de grappin pour rien. Vala, mine de rien, c'est quand même un bon personnage assassin qui a une double esquive selon les builds que vous jouez, donc si la Nova prend une Nuclear Strike, eh bien, Nuclear Strike, c'est pas grave, esquive. Même si elle est niveau 20 et qu'elle en colle une deuxième, double esquive aussi. Donc, jamais vous vous ferez choper par une Nuclear Strike. Si elle prend... je vous conseille vraiment de faire mon build triple flèche vorace. Regardez mes vidéos sur YouTube pour là-dessus. Parce que même si elle vous prend corps à corps et que vous perdez genre 70% de votre vie, n'hésitez pas à faire flèche vorace, esquive, flèche vorace, esquive, flèche vorace. Parce que en prenant le vol de vie de 50% au niveau 1, ça va vous régénérer, peut-être mine de rien, et Nova va mourir quasiment. Sauf si elle claque ses clones, elle claque tout. Mais il y a de grandes chances que Nova meure également. Avec ce build, Vala Nova, c'est jamais vraiment joué. Tyrael, eh bien je l'ai dit, hein, c'est entre le guerrier, entre le tank, un ultime qui stun, qui permet justement de sauter sur une Nova qui sera à distance. Illidan, pareil, la métamorphose, qui permet de passer sous le sol, d'esquiver certains sorts et de ressortir avec du vol de vie amélioré, de la vitesse d'attaque, des points de vie supplémentaires, et de devenir un petit peu plus tanky, et de faire certaines games où vous pouvez faire du 1 contre 3, ça s'est déjà vu. Tier 2, alors le tier 1, c'est les bons picks, hein. Si vous prenez n'importe quel perso ici, dans leur genre, c'est vraiment des bons choix, quoi. Tier 2, c'est également des bons choix, hein, faut dire ce qui est. Le tier 1, c'est le très bon choix. Si vous prenez ça, ça vous donne une chance de gagner. Les tiers 2, c'est pas forcément moins bon, mais c'est juste des trucs différents. Par exemple, la Nanou Barak, bah, c'est vrai que c'est un petit peu moins bon qu'un Shen ou un Muradin. Mais notamment, j'ai mis Abattu, Rhaegar, Malfurion, Zagara. Voilà, c'est quand même des top heals que j'ai mis. En tier 2, ce sont quand même des bons choix. Hein. Voilà, ne crachez pas dessus. Donc, Abattur, voilà, je vous l'ai expliqué pourquoi. Les gens ne vont pas forcément comprendre si vous focalisez là-dessus. Attention quand même, Nova et Zeratul peuvent venir vous tuer dans leur camp. Ça peut être compliqué, mais
En même temps, c'est un double tranchant parce que si vous arrivez à bien maîtriser votre push au niveau 16, bah une Nova, ça dépush pas bien du tout. Donc ça veut... vous pouvez prendre l'avantage psychologique avec ça. Rhaegar, c'est quelqu'un qui remet full vie un personnage, quelqu'un qui aurait 2% de sa vie, vous claquez votre ultime, ça le remet à 100%. Du coup, c'est un contre parfait du gros heal brut. Malfurion, du heal également sur le temps, malheureusement. Donc, on va préférer les heals bruts pour gérer tout de suite, d'un seul coup, le manque de heal qui se font sentir. Mais cela dit, Malfurion, ça heal énormément. Ça contrôle également, contrairement à Rhaegar. Enfin, Rhaegar aussi, d'ailleurs. Mais Malfurion, Rhaegar, c'est pareil. Zagara, donc premier des spécialistes que j'ai mis là, parce que c'est un bon spécialiste, mais attention, pas d'escape, hein, si vous faites ganker par Nova Zeratul, Shen, Muradin, Arthas, Uther, ça va être compliqué de s'en sortir, on est d'accord, donc faut faire attention, pas d'escape, les persos qui n'ont pas d'escape, on évite quand même. Anubarak, c'est un tank, bon, il survit, il peut faire un petit peu de dégâts, il fait pas beaucoup de dégâts comparé aux autres tanks, mais quand vous l'activez avec son ultime, les dégâts en AoE suffisamment sont bien placés. Donc faut pas, il ne fait pas de dégâts énormes sur le temps dans la partie au niveau des top damage, vous le verrez jamais premier. Mais néanmoins, le peu de dégâts qu'il fait, ça c'est toujours dans les teamfights et c'est toujours des dégâts importants. Importants, je veux dire, en termes de positionnement et qui sort les dégâts au bon moment. Jaina, dégâts en AoE également, ça permet de résister avec le bouclier à un burst. Hein, si Nova vous burst, et bien burstez-la en retour, elle va mourir. Vous pouvez faire des dégâts monstrueux avec l'ultime de l'élémentaire de givre. Et Nazibo également, énormément de dégâts pour un spécialiste. Tier 3, bon ça c'est un petit peu moins conseillé, néanmoins, si vous voulez commencer déjà à maîtriser certains personnages, pourquoi pas. Sergent Marteau, Falstad, c'est correct, si vous voulez les prendre, il n'y a pas de souci. Reynor pour débuter, c'est bien, mais bon, c'est pas le meilleur des personnages. Kerrigan, c'est assez complexe à utiliser. Luizel, on a déjà dit pourquoi. Diablo, bah, c'est un tank. C'est un tank, il n'est pas dans le tier 4 parce que néanmoins, on ne sait jamais, genre une Nova qui utilise son ultime. Oui, parce que je parle toujours de Nova, parce que croyez-moi, vous allez en bouffer, vous allez en voir tout le temps, parce que c'est le god tier. Le personnage va vous traumatiser. Néanmoins, Diablo est capable de donner un coup de corne sur une Nova pour annuler son ultime. Il est capable de choper une Nova sur son épaule, le faire passer pour annuler son ultime. Il est capable également d'appuyer sur R pour lancer l'apocalypse. Ne prenez surtout pas le souffle de flamme. Mais une Nova qui lance son R, le R du Kiku qui fait « si je fais un kill, eh bien ça me redonne mon timer », eh bien, appuyer sur R, boum! Il y a une tête de mort qui sort d'en dessous ses pieds et ça stun en teamfight. Donc rien que pour ça, c'est quand même le point d'intérêt de Diablo. Asmodan, beaucoup de points de vie, mais face à une Nova, c'est un peu free kill. Elle va vous taper, elle reviendra, elle vous retapera, elle reviendra, elle vous tapera, elle reviendra. Et puis vous allez mourir à force. Mais il y a des trucs assez intéressants. Et le tier 4, c'est le tier du troll, c'est les personnages, ne les prenez pas, ça va plutôt vous allez faire chier votre équipe plutôt qu'autre chose. Donc ETC, c'est très dur de se combiner si vous n'êtes pas en vocal, donc cherchez pas. Bourbi, bah, c'est un petit peu le perso du troll, il y a moyen de faire des trucs énormes avec du skill de ouf, etc. Mais justement, le skill, vous ne l'avez pas, vous débutez, donc vous faites pas chier avec ça, vous n'allez pas comprendre, vous allez mourir en boucle, vous n'allez pas être utile pour votre équipe. Sonia, c'est pareil. Vous avez plus donné un handicap à votre équipe qu'autre chose. Lily, même chose. Pourquoi jouer Lily si on peut jouer un Malfurion? On balance plus de heal, on balance plus de heal avec l'ultime, on balance plus de heal constamment, on balance également du heal, des dégâts de loin, on balance une immobilisation de zone. Voilà, on perd un petit peu d'intérêt à jouer Lily. Gazleux, jouez pas Gazleux, il y a d'autres spécialistes qui peuvent faire aussi bien. Quitte à jouer un personnage qui peut solo... Le golem joue Asmodan. Et Tyrande, c'est que situationnel, c'est que en équipe de pro à la limite, pour la vision, etc. Donc vous n'aurez aucunement besoin de ça. Et quand vous jouez en solo, Tyrande, c'est un poids. Franchement, c'est très très dur. Tout ce qu'elle fait, et d'autres personnages peuvent le faire beaucoup mieux. Donc vous ne s'encombrez pas de ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dès demain, vous aurez la vidéo pour les tiers versions. Alors, il n'y aura pas toutes les explications parce que je considère que les joueurs sont déjà avancés, confirmés. Donc, on fera directement un débat avec une liste. Donc, le tiers pour les joueurs confirmés, les joueurs qui ont déjà joué au MOBA, qui sont déjà plus balèzes, qui recherchent des teams, qui veulent vraiment des persos de ouf, qui peuvent doser pour en faire leur main et tout. On aura une tier liste complètement différente de ce que vous pouvez voir là. Et puis, après...
Je crois mardi, vous aurez la vidéo sur bien débuter avec les petites astuces d'Heroes of the Storm. En attendant, bien, vous pouvez d'ores et déjà aussi regarder la vidéo sur le lexique et le tuto débutant que j'ai mis dans la description de cette vidéo même. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, bonne fin de soirée, et à très bientôt sur les champs de bataille d'Heroes of the Storm où je vous défoncerai avec plaisir. Allez, ciao! J'ai la voix qui se barre en vrille, hein. Ouh, la vache! Ça fait du bien de se... d'arrêter un petit peu. Allez, d'ici là, portez-vous bien quand même, hein. Et tombez pas malade comme moi.